Un document ce soir au cœur de la guerre d'Alep, les civils sous un déluge de bombes, le monde qui s'indigne. Vous êtes prêts? Rendez-vous devant chez moi dans 15 minutes. T'écoutes quoi? Imagine de John Lennon. T'en veux un? Elle me déprime cette chanson. Tout le monde la connaît son message. Elle aurait pu changer le monde. Et puis pour plein de gens, ça reste une chanson. Peut-être qu'une chanson seule, ça suffit pas pour atteindre les gens. Qu'il faudrait autre chose avec. Mais quoi? Tu crois qu'on sera heureux là-bas? J'en sais rien. Tes cheveux sont violets. Beaucoup de gens sont morts cette nuit. J'ai trouvé. C'est là. Un de ces rues des Glaïeuls. C'est dans le quartier Est. Faudra faire attention. T'es sûr de toi? Oui. Le quartier Est. Aucun d'entre nous n'y était déjà allé. Nos parents, nos profs n'en parlaient jamais. Mais après tout, pourquoi des ados auraient voulu se rendre dans un lieu si triste? On dit que des rôdeurs y tuent les passants vulnérables, que des esprits démoniaques hantent ces maisons abandonnées. On s'en foutait. Quand t'es jeune, t'as peur de rien. Je ne vois rien. Mon sort est scellé. C'est drôle, non? Comme les choses changent avec l'âge. Il y a 8 ans, quand on lisait l'avenir, on voyait un beau mari, une belle maison avec une piscine, et des enfants trop cool. C'était malsain, mais c'était simple. Et puis, on est devenu ado, et on s'est pris la complexité et l'horreur du monde dans la gueule. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? La mort et l'oubli, le messager, la vie éternelle et le renouveau. Regarde, réveille-toi. Poser une question. Vas-y. Tu me trouves comment? Quand t'es complexe, écoute, t'es très bien comme ça, t'inquiète pas. J'avais jamais embrassé de fille avant. Et ça t'a fait quoi? C'était exactement pareil qu'avec un mec, mais ça change d'une personne à l'autre. On ne peut pas partir comme ça. Il faut qu'on laisse un message. Avec la médiatisation de notre départ, il sera entendu et peut-être même écouté. Tu veux qu'on se fasse passer pour des martyrs? Oui. C'est de la manipulation, Yann. Je sais, mais ça veut pas dire qu'on n'est pas sincère. Tu es prête? Oui. Thank you.
Attends. Est-ce que quelqu'un va faire quelque chose en particulier? Est-ce qu'on est naïf de croire qu'on peut changer quelque chose? On se fera sans doute jamais. Après tout, on a fait ça pour les faire réfléchir, non? Être obligé de justifier un message d'amour et d'ouverture d'esprit par un acte de désespoir, c'est tellement ironique.